Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de nous présenter devant vous pour cette émission qui va commencer, émission est dénommé alerte rouge. Par cette émission, nous allons alerter de temps en temps sur les choses qui représentent un danger pour votre âme, pour votre salut. Alléluia. Donc, par ce premier numéro, nous allons commencer par ce thème. Alléluia. Alerte rouge au mensonge du Noël. Alerte rouge au mensonge de la fête de Noël. Ne fêtez pas la Noël de l'enfer. Préparez-vous plutôt à fêter le festin de noces de l'agneau de Dieu. Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est une supercherie religieuse. Peuple de Dieu, avant de poursuivre, je vais vous dire, si vos enfants, en cette période, vous réclament des cadeaux de Papa Noël, donnez-leur plutôt des cadeaux de la part de Papa Jésus-Christ. Et prenez soin de leur expliquer que ce Papa Noël est un personnage mensonger, inventé, qui n'est que le père du mensonge, déguisé en paix gentille pour tromper leur vigilance et pour capturer leur esprit. Chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous permet de vous présenter en ce moment où des fêtes s'alignent, des fêtes païennes s'alignent, où les chrétiens ignorants se préparent aussi à fêter. À fêter quelle fête? Quelle fête, peuple de Dieu? Ce message d'alerte consiste à vous aider à changer l'ordre établi par le monde païen afin de vous imposer à ce monde et non vous soumettre à leur système de corruption mentale mis en place par leur père, le diable. C'est pourquoi je vous dis toujours, si le monde va à gauche, vous allez à droite. Si le monde va en bas, vous allez en haut. Si le monde porte le noir, il faut porter le blanc. Alléluia. Si le monde porte des choses abominables, vous devez porter des choses saintes. À propos de la fête, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 2. Ils ont la parole. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix peuple païen. Parce que vous avez été racheté à un grand prix. Dans le livre de Deutéronome 32, le verset 20, le Seigneur déclare, il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles.
Voilà comment le Seigneur qualifie les peuples païens qui ne veulent pas rechercher sa volonté, qui ne veulent pas faire sa volonté, qui ne veulent pas chercher sa voie, mais qui inventent des choses vaines pour sombrer dans le péché, pour commettre péché sur péché. Alléluia. Le Seigneur dit, je leur cacherai ma face. Le Seigneur cache sa face à ceux qui ne craignent pas son nom. Le Seigneur cache sa face à ceux qui s'engouffrent dans des choses païennes. Et le Seigneur dit, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Chrétien, est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? Si tu es fidèle à ton Dieu, tu ne dois pas t'engager dans des fêtes païennes. Tu ne dois pas t'engager dans des fêtes non bibliques qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité. Nous adorons un Dieu jaloux. Et c'est avec jalousie qu'il chérit le salut qu'il nous a donné à un grand prix. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous voir dans des choses païennes. Il ne veut pas nous voir avec le monde et ses choses. Alors, repentance. Peuple de Dieu, nous voici encore à l'approche des fêtes païennes qui s'allient, mais qui ne nous concernent en rien. Et que Satan a trouvé le moyen d'associer les chrétiens pour recevoir leur culte. Or, nous savons tous que ces fêtes, en l'occurrence, la Noël, le janvier et autres, sont tous des fêtes dédiées à des divinités païennes, à des dieux païens. Or, le Seigneur déclare dans sa parole, dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le Seigneur ne peut pas donner sa gloire à des choses païennes. Ne peut pas partager sa gloire avec des dieux païens, avec des divinités païennes, grecques, romaines, parce que il est un Dieu jaloux. Peuple de Dieu, nous sommes nés pour la plupart dans ces choses-là mondaines, mais nous n'allons pas y demeurer pour toujours. Nous devons y quitter. Et il est temps maintenant de quitter ces choses à cause de la jalousie de notre Seigneur, de notre Dieu qui nous aime si tant. Chers frères et sœurs, comment peut-on inventer une fête païenne et associer le nom du Saint d'Israël? Alléluia! Comment peut-on inventer du mensonge et dire que c'est la naissance de Jésus-Christ?
Comment peut-on adorer le Dieu de la vérité avec le mensonge? Je vous le dis, il y a une confusion. Comment puis-je dire à mes enfants que nous célébrons, par exemple, l'anniversaire de Jésus-Christ, le 25 décembre, alors que la Bible ne mentionne nulle part dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Si mes enfants me demandent, alors papa, comme nous travaillons en tant que chrétiens avec la Bible, avec la parole de Dieu, papa, montre-moi où Jésus est né le 25 décembre. Je vais lui montrer quel passage. Je serai dans la confusion. Je serai dans la honte. Peuple de Dieu, la Bible ne mentionne nulle part la naissance de Jésus-Christ un 25 décembre. Et aucun chrétien dans la Bible n'a jamais célébré l'anniversaire de Jésus-Christ. Aucun chrétien dans la Bible n'a jamais célébré d'ailleurs un anniversaire. Parce que ce n'est pas la culture israélienne et ce n'est pas la culture des enfants de Dieu. Alléluia! Ce n'est pas la culture des enfants de Dieu. C'est une culture païenne, égyptienne, grecque et romaine. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons réellement nous réveiller. Il est temps que l'Église de Christ sorte des griffes du monde. Il est temps que l'Église de Christ sorte des griffes païennes et retrouve les fondements bibliques, les fondements de la sainte doctrine, les choses basées sur les saintes écritures et abandonner les pratiques mondaines. Peuple de Dieu, vous ne verrez nulle part dans la Bible, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez personne, aucun disciple de Jésus, aucun chrétien célébrer la naissance de Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour que les hommes célèbrent son anniversaire. Jésus n'est pas venu pour que les hommes célèbrent son anniversaire. Jésus-Christ, il est venu montrer la voie du salut. Et lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais les hommes ont rejeté son enseignement, ses enseignements. Les hommes ont rejeté sa doctrine et vont inventer des choses et lui coller et coller son nom à ces choses qui ne sont que des séductions de l'ennemi. Peuple de Dieu, si tu es chrétien, tu dois savoir que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu des chrétiens. Alors, si Jésus-Christ est ton Dieu, comment peux-tu fêter l'anniversaire de ton Dieu? Comment peux-tu fêter l'anniversaire de celui qui t'a créé, qui t'a donné la date de son anniversaire? S'il a une date d'anniversaire, c'est grave. Dans Jean, chapitre 8, le verset 58, Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham même fût, je suis. Ce qui veut dire quoi? Avant que Abraham n'existe, Jésus-Christ existait. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu même pour Abraham.
Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Lui, il est le je suis. Le je suis. Le je suis. Qui s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent. C'est ce je suis-là qui a pris chair et qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui, maintenant, toi, tu veux fêter son anniversaire. Moïse n'a pas fêté son anniversaire. Abraham n'a pas pu fêter son anniversaire. Isaac n'a pas pu fêter son anniversaire. Jacob n'a pas fêté son anniversaire. Les prophètes, aucun prophète dans la Bible n'a fêté son anniversaire. Et même quand il a pris chair pour venir sur la terre, c'est pour éviter que les hommes se mettent à chercher à fêter son anniversaire, que la Bible n'a pas mentionné la date de sa venue sur terre. Avant de venir sur la terre, Jésus-Christ existait d'abord. C'est juste comme un voyage qu'il a effectué. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Alléluia! Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Et il n'est pas venu pour se faire célébrer un anniversaire. Alors, toi qui continues dans ces choses-là, pose-toi la question. Pose-toi la question. Voilà. Celui dont tu fêtes l'anniversaire dit, avant que Abraham fût, je suis. Lui, là, je suis. C'est que lui, il est toujours présent. Il était présent, il est présent, il sera toujours présent. C'est qu'il existe et il existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Qui es-tu pour connaître sa date d'anniversaire? Alléluia! Celui qui a créé l'univers, avant de te créer, tu lui inventes une date pour dire que tu célèbres son anniversaire. Peuple de Dieu, vas-tu donner une date de naissance à quelqu'un qui existait avant Abraham? C'est totalement stupide. C'est totalement insensé. Évidemment, beaucoup sont en train de comprendre les choses. Beaucoup sont en train de comprendre toute la supercherie religieuse, la supercherie romaine, la supercherie païenne. Derrière cette fête, ces fêtes païennes, et beaucoup sont en train déjà de prendre des dispositions dans leur famille pour résister à ces égarements religieux. Mais malheureusement, nous sommes dans le monde et nos enfants, pour la plupart, sont dans des écoles païennes qui ont des systèmes païens en alliance avec le système romain religieux. Et donc, quand nos enfants vont dehors, les choses se compliquent. Surtout que nos écoles sont dédiées tous, pour la plupart, aux princes de ce monde. Alors, les autorités tentent toujours d'imposer les pratiques païennes à nos enfants. Le système du monde est ainsi fait. Alors, dans cette période, malheureusement, nos enfants viennent souvent à la maison avec des caprices d'histoire de Père Noël. Voilà, papa, on m'a dit qu'on va d'envoyer de l'argent pour on va préparer et la fête pour inviter Papa Noël. Alors, dans cette période, nos enfants deviennent de plus en plus capricieuses. Et même si toi tu refuses, quand ton enfant va à l'école, on va lui, voilà, et lui miroiter ces choses-là pour séduire tes enfants. Je vous le dis en vérité, c'est difficile.
Mais nous allons y parvenir. Nous allons réussir à résister au monde et à son système. Alléluia. Je vous l'ai dit, regardez vous-même, peuple de Dieu. C'est tellement suspect. On dit qu'on est en train de fêter l'anniversaire de Jésus. Supposons que c'est vrai. Mais d'où est-ce que ce personnage mensonger est apparu, appelé Père Noël, appelé Papa Noël? Il est le papa de qui? Est-ce qu'il est le papa de Jésus? Père Noël, on dit qu'on célèbre l'anniversaire de Jésus, mais on fait apparaître un personnage. On a rendu son nom plus populaire même que le nom de celui dont on fête. On dit qu'on fête l'anniversaire. C'est qui ce Père Noël? Le Père de Jésus? Alors que vous êtes censé fêter l'anniversaire de Jésus selon ce que vous dites. Maintenant, son âge apparaît appelé Père Noël. Je vous le dis, le monde est corrompu. Le monde est vraiment corrompu, peuple de Dieu. Et nous devons fuir le monde et ses rudiments. Alors, pour contourner le monde dans ce système de manipulation mentale, il faut déjà commencer dès la maison. Il faut commencer déjà par sortir de la tête des enfants tout ce que le monde sème en eux. Il faut que vous travaillez pour vraiment sortir de leur tête tout ce que le monde envoie dans leur tête pour corrompre leur mentalité, pour corrompre leur psychologie. Vous devez travailler. Alors, si vos enfants vous demandent, viennent à la maison et commencent par vous déranger de leur raconter les belles histoires de Papa Noël, dites-leur simplement que c'est un personnage mensonger, fantôme, inventé par le monde pour détourner l'amour que Papa Jésus-Christ a manifesté pour eux et envers tous les enfants du monde en versant son sang à Golgotha. Alléluia. Dites-leur que Papa Noël ne peut jamais verser son sang. Papa Noël, c'est un personnage maudit. C'est un personnage diabolique. Il faut dire la vérité à vos enfants pour que vos enfants ne gardent pas du mensonge dans leur tête en grandissant dans le mensonge. Apprenez à vos enfants. Apprenez à vos enfants la vérité pour que vos enfants grandissent dans la vérité. Dites-leur que le fantôme appelé Père Noël n'acceptera jamais verser une goutte de son sang noir. Le sang de Papa Noël est noir parce que c'est le sang du mensonge, le sang du diable. Ce sang est noir. Dites-leur qu'il n'acceptera jamais verser son sang pour sauver un seul enfant. Mais Jésus a versé son sang pour sauver les enfants du monde entier, de tout l'univers, de tous les temps. Alléluia. Et racontez-leur comment Jésus a souffert à cause de l'amour qu'il a pour eux, les enfants. Dites-leur la vérité. Alléluia. Dites-leur comment Jésus les aime. Peuple de Dieu, vous devez tout faire pour arracher de la tête de vos enfants toutes les mauvaises semences, que le monde sème en eux dans les écoles païennes. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre
Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce qui veut dire que très tôt, tu dois apprendre à ton enfant que ces choses sont des choses vaines. Et toi, tu dois user de toutes les sagesses pour réellement permettre à ton enfant de connaître la vérité et de marcher dans la vérité et non marcher selon la corruption du monde. Vous devez tout faire pour empêcher vos enfants d'avaler les semences du monde. Vous ne devez pas permettre que vos enfants commencent par aimer un Père Noël plus que Jésus-Christ qui a versé son sang pour eux. Vous devez tout faire pour empêcher ce système de posséder vos enfants. Alors, si vous avez des cadeaux à offrir à vos enfants, il ne faut pas que ça se passe dans cette période de Noël et de Père Noël. Et si vous avez des cadeaux à faire à vos enfants, vous pouvez le faire à tout moment de l'année, sauf choisir cette période pour le faire. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vous pouvez payer des jouets, des jolis cadeaux, des jolis jouets à vos enfants. Vous pouvez le faire même après les fêtes païennes ou très tôt avant les fêtes païennes pour que lorsque les enfants du monde présentent des jouets devant eux, eux aussi puissent présenter aussi des jouets. Quand les enfants du monde vont présenter des jouets du faux Papa Noël, il faut que vos enfants aussi soient en mesure de dire « Ah, ce cadeau, c'est Papa Jésus qui m'a offert. Papa Jésus a donné ce cadeau à mon papa qui m'a offert. » Donc, si tu offres des cadeaux à ton enfant, dis-lui que c'est Papa Jésus, Papa Jésus-Christ qui lui a offert cela, qui lui a envoyé cela. Ça reste. Et ça, c'est authentique. Parce que tout ce que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est des choses que le Seigneur nous offre, que le Seigneur nous permet d'avoir. Alléluia! Donc ça, il n'y a pas de mensonge dans ça. Mais quand tu lui donnes un cadeau au nom de Papa, au nom de Papa Noël, c'est que tu es en train de dire que c'est Papa Satan qui lui a offert ça. Parce que Père Noël, c'est Père Satan. Je vous le dis en vérité, en vérité. Donc, tous les cadeaux que tu donnes à ton enfant, tu peux lui dire que c'est de la part de Papa Jésus. Et apprends-lui, apprends à tes enfants à aimer Papa Jésus, qui est notre Seigneur. Alléluia! Ne faites pas de copie-coller du monde. Ne faites pas le copie-coller du monde. Je vous le dis, en vérité, en vérité. Apprenez à vos enfants à ne pas aimer le monde, à ne rien aimer du monde et de ses rudiments. Mais apprenez-les à s'affectionner aux choses d'en haut. Je vous le dis, beaucoup vont traiter de stupide, de folie, ce message, cette exhortation que nous sommes en train de donner. Mais les vrais adorateurs comprendront l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire et le mettront en pratique. Je vous le dis, retenez très bien que Satan passe par cette fête pour compter les enfants qui lui appartiennent dans le monde. Je vous le dis,
Ainsi, il passe par ce créneau pour manipuler l'avenir des enfants et l'adapter à sa volonté. Malheureusement, beaucoup d'enfants dans cette période sont programmés au sacrifice. Sont programmés au sacrifice par les sorciers. Beaucoup d'enfants reçoivent le sceau de la messe. Que sont la délinquance, la mort précoce, le chômage, la prostitution, le célibat, le vol, l'échec et toutes ces choses-là. Ce sont les cadeaux que le faux père Noël offre aux enfants du monde qui célèbrent sa fête Noël. Je vous dis, c'est une période aussi où les sorciers font de bonnes affaires avec les âmes des enfants du monde. Je vous le dis, le faux Père Noël n'a que des cadeaux maudits à donner aux enfants qui célèbrent sa fête. Je vous dis, il n'a que des cadeaux maudits qu'il distribue pendant cette fête maudite parce qu'il n'a que ces choses-là. On ne donne que ce que l'on a. Il n'a rien de bénéfique pour donner. Il n'a que des choses maléfiques. Et il ne vient que pour voler les meilleures choses que Dieu a destinées à vos enfants. Et il leur transmet les mauvaises choses que lui, il possède. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Quand votre faux père Noël, faux papa Noël vient, c'est pour voler l'avenir de vos enfants. C'est pour dérober la grâce que le Seigneur a déposée dans la vie de vos enfants. C'est pour égorger vos enfants. C'est pour détruire l'avenir de vos enfants. Je vous le dis, mes enfants ne fêteront pas Noël. Je vous le dis, c'est pour ça que vous allez voir parfois des enfants grandir avec des caractères bizarres, avec des attitudes bizarres, avec des maladies bizarres, que même les parents se demandent, mais de qui il a hérité tout cela? Ce n'est pas du hasard. Ils ont laissé le méchant s'introduire dans la vie de leurs enfants sous leur propre caution, à travers les fêtes païennes, à travers la fête païenne Noël. Or, les cadeaux de Papa Jésus, les beaux cadeaux de Papa Jésus, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la protection, c'est la bénédiction, l'assurance d'un avenir meilleur, la sûreté de l'âme, de l'esprit et du corps. Et tout sera emballé dans son sang. Et personne ne peut le dérober. C'est pourquoi il déclare dans Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce que Papa Jésus a déclaré sur tous ses enfants. Et votre faux Papa Noël, qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est pour dérober vos enfants. C'est pour détruire l'avenir de vos enfants. Alors, attention. Alors, à vous de choisir le cadeau que vous voulez pour vos enfants. Moi, j'ai fait mon choix. Moi, je choisis le cadeau de Papa Jésus pour mes enfants. Si toi, tu préfères les cadeaux de faux père, de faux papa diabolique Noël, je vous le dis, ce serait à votre risque et péril. L'Éternel déclare,
dans Deutéronome 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Moi, j'ai choisi Papa Jésus pour ma famille. Moi et ma maison, nous allons célébrer Papa Jésus, pas un 25 novembre, un 25 décembre, mais tous les jours de notre vie, chaque seconde de ma vie, chaque minute de ma vie, chaque heure de ma vie, chaque jour de ma vie, chaque semaine de ma vie, chaque mois de ma vie et toute l'année de ma vie, moi et ma maison, nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'allons pas célébrer sa naissance parce qu'il a existé avant toute chose et il existera après toute chose. Toutes choses passeront, mais Papa Jésus ne passera jamais. Donc je dis non à Noël, à la célébration d'un faux Jésus. Le vrai Jésus n'a jamais été célébré nulle part dans les Saintes Écritures. Soit vous êtes chrétien, ou soit vous n'êtes pas chrétien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et ne pas faire les choses selon les Saintes Écritures. Si vous voulez marcher avec le monde, marchez avec le monde. Mais là, vous n'êtes pas chrétien. Parce que les chrétiens sont des mis à part. Les disciples de Jésus ont une seule fête en tête. La fête qui se prépare. Bientôt, quand la trompette va sonner. C'est pour ça que chaque jour, les enfants de Dieu préparent cette grande fête. Ils préparent cette grande fête en lavant leur robe, en nettoyant toute la souillure qu'il y a dans leur vie, en mettant de l'ordre dans leur vie, et non en se préparant pour une fête païenne, pour une fête maudite, pour une fête pour sacrifier leurs enfants à Baal. Alors, entre le cadeau empoisonné et maudit de Satan et ce merveilleux et béni de Jésus-Christ, vous savez désormais ce qu'il faut choisir à vos enfants. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, si une seule personne a pu changer l'histoire de l'humanité, alors si tous les vrais disciples de Jésus-Christ se lèvent, je vous le dis, nous sommes capables de changer les choses aussi et nous affranchir du joug du mort et de ses rudiments. Je vous le dis, même si tout le monde n'est pas prêt à changer les choses, toi qui m'écoutes en ce moment, comment déjà à t'imposer à Satan dans ta maison et fais comme Josué a déclaré solennellement dans Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux païens, ou les divinités païennes à travers des fêtes mondaines, des fêtes de Noël, des fêtes de janvier, des fêtes de Saint-Valentin, des fêtes d'Épiphanie, machin. Choisissez. Si c'est ces dieux déguisés, ces dieux adorés en arrière-plan par le monde que vous voulez adorer, choisissez. Ou c'est les dieux païens que le monde adore à travers ses rudiments. Alléluia. Ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, ou le faux Père Noël. Si c'est ces choses que vous voulez adorer, choisissez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Alléluia.
Alléluia. Chacun fait son choix. Dans ma maison, il n'y aura pas de Papa Noël, il n'y aura pas de Père Noël. Dans ma maison, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc, à toi aussi, de choisir dès maintenant le Dieu que tu veux pour que tes enfants adorent. Alléluia. Mais tu ne peux pas adorer les deux. Tu ne peux pas choisir les deux. Le monde vous corrompt, je vous dis la vérité. Le monde est corrompu. Et le monde continue de corrompre l'Église. Et il est temps que l'Église se lève et sort du système du monde. Il est temps. Je vous le dis en vérité, en vérité. Alors, depuis ta maison, tu peux déjà commencer par t'imposer au monde. Tu peux commencer par dire non au monde. C'est quoi la fête? Manger, boire, sortir, se divertir. Et c'est tout. Et c'est tout. Et derrière ça, il y a un esprit qui va marquer tes enfants. Le chrétien peut manger. Le chrétien peut boire. Le chrétien peut se réjouir. Mais pas avec le monde. Pas comme le monde. Pas dans la période que le monde a choisie. Non. Non. Je vous le dis. Cette période n'est pas une période de fête pour les chrétiens. C'est une période où les chrétiens doivent évangéliser. Le monde est sorti, le monde des griffes du diable. Non. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et préparez-vous. Pleurez pour vos péchés. Et cherchez votre délivrance des mains du prince de ce monde. Moi, j'ai sonné la trompette. J'ai alerté. J'ai annoncé l'alerte rouge. Si vous acceptez et si vous marchez dessus, votre âme sera en paix. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si je dis que le méchant mourra, selon Ézéchiel 3, verset 18, si je dis que le méchant mourra, et si tu ne l'avertis pas, il mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. Mais si je dis que le méchant mourra, et si tu l'avertis, et qu'il ne se détourne pas de ses iniquités, et qu'il meurt dans ses péchés, moi, je ne te demanderai plus son sang. Alors, je me lave de vos sangs, de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce que le Seigneur m'a enseigné, je l'ai enseigné. Alors, mettez-la en pratique pour le salut de votre âme. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Seigneur, grand Dieu, grand roi, papa, je veux te bénir pour la vie de tous tes enfants qui vont écouter ce message. Ils vont chasser le faux Père Noël de leur maison, de leur famille. Ils vont accueillir ton règne dans leur maison et mettre en pratique ta parole. Seigneur, je te prie. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Seigneur, papa, je te prie. Toi qui as les meilleurs cadeaux pour tes enfants, toi qui as dit, laissez les enfants venir vers moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Alors, Seigneur, tous les enfants qui vont rejeter le faux Père Noël pour s'accrocher à toi, le vrai papa, le vrai Dieu, oh le vrai Père qui connaît ce qu'il faut pour tes enfants du monde entier, alors Seigneur, je te prie, écris le nom de tous tes enfants qui vont rejeter le faux Père Noël, écris leur nom dans ton livre au ciel. Seigneur, écris leur nom dans ton livre au ciel. Écris leur nom dans le livre de vie et que ne permets jamais qu'aucun sorcier ne t'approche de tes enfants. Ne permets qu'aucun sorcier vienne voler leur grâce. Merci, papa. Seigneur, je te bénis.
Merci pour ce message. Papa, toutes les maisons où ce message sera joué et mis en pratique, Papa, que ta lumière descende dans ces maisons. Que ta gloire descende dans ces maisons, Papa. Et que ton sang inonde toutes ces maisons, Papa. Merci pour tout. Au nom